Salut tout le monde! Ah, yes, c'est le quiz enfin! J'ai hâte de voir ça! Yes! Vous allez tous voir ça, vous me posez des questions, mais ça va partir dans quelques instants. J'attends la notification, puis on va partir le super quiz avec nos amis Temporal, Guzzi dans l'équipe des Bleus, Aya et Claise dans l'équipe des Rouges. Est-ce que vous avez reçu la notification? Parce que je veux quand même attendre un peu la notif. Puis on va se taper ça. Je suis un peu nerveux, mais ça va bien aller, ça va bien aller. C'est la première fois que j'essaie ça. On commence par allumer ma... on va allumer mon... ma calotte qui est écrit Dog Shit, Dog Water. Dog Water. On va aller mettre le bon truc, puis après ça, on s'en va rejoindre nos invités à l'instant. On va aller mettre Magic Display. La notif à pop. Alors, bienvenue à mon super quiz. J'espère que vous allez passer un bon moment. Ça se pou... Ça se pou, j'envoie ça à l'instant, ça se pou. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça se pou. Et voilà, c'est le ça se pou, Free Win Goosey. Ah, j'ai hâte de voir ça. La notif à pop, donc tout est là. On va partir le quiz. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec, avec moi, avec vous, avec tout le monde finalement. Ça part, mesdames, messieurs, ça part. J'espère que vous êtes contents. Let's go! Mesdames et messieurs, c'est l'heure du super quiz, mesdames, messieurs. Là-haut, là-bas. Mon chien qui vient me rendre visite tout le temps. Oh, t'es pas chien. Alors, c'est le temps de danser, tout le monde. Il reste 33 secondes. Ça part. Alors, nous avons nos invités que je vais vous présenter à l'instant. Est-ce que vous m'entendez bien, Discord? Vous m'entendez bien? C'est moi qui vous entends mal. On va aller vous monter ça, mes amis. On va les entendre. Vous ne créerez même pas ça. On va baisser un peu le stream. Allez-y donc, parlez. Yo. Alors, je vais vous présenter les joueurs aujourd'hui. Je me donne un heure qui n'a pas rapport.
Alors, on met ça comme ça, donc directement des environs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a récemment eu toutes ses dents, il a plus de 1600 followers sur sa chaîne. Il stream depuis avril 2020, accueilli comme il se doit. Tempo, mesdames, messieurs! Ouais, il me reste juste mon son à ajuster. Je vous le dis, on va l'avoir. Ok, attention! En plein sa rive nord de Montréal, donc déjà je l'apprécie puisque je suis aussi sa rive nord de Montréal. Il a 16 ans, plus de 2800 followers d'énergie à revendre. Accueillez le très peu présomptueux mais très affectueux, Goosey! Et de l'équipe des Rouges! L'équipe des Rouges maintenant trop loin pour la plupart d'entre nous, mais pas tant dans un trou puisqu'il y a au moins un McDo avec plus de 5200 followers sur sa chaîne. Des lives impressionnants, accueillis ce Rimouskois et surtout sa belle voix, Claise, mesdames, messieurs! Et sur la rive sud de notre beau fleuve Saint-Laurent, ce sympathique personnage vient d'obtenir son fameux crochet mauve partner Twitch avec plus de 8500 followers. Il effectue des lives d'enfer. Une chance qu'il a une mélo pour gérer son agenda. Rien de trop beau pour lui. Accueillez Aya Blast! Alors, comment qu'ils vont? Tempo, comment ça va? Moi, ça va bien. Je suis quand même content pour le quiz parce que l'autre bord, c'est de l'eau. Mais sinon, ça va, non? Bon, de l'eau. Excellent, ça. Goosey, comment ça va? Ça va très bien. Moi, je suis un bon adversaire. So, respect à tous nos participants. Mais il y en a qui prennent pour moi, mais je joue pas Dwarf. Je suis désolé. Salut à tout le monde qui sont là. Et Aya, comment ça va, toi? Ça va super bien, ça encore une fois, comme dirait Goosey, respect, dans le respect, mais c'est sûr que si je gagne, Tempo, tu vas t'en rappeler pendant longtemps. C'est ce que j'ai à dire. Et comment vas-tu, toi? Bien, on sort de live 28h. Eh oui. Si la tête était pas là pendant live, là, on est là avec la tête. Puis, comme a dit Aya, ça se peut que s'il y ait une défaite du côté de Goosey Tempo, un petit pause Twitter va se faire. On les entend pas bien, moi, je vais monter mon desktop audio. Puis là, vous allez les entendre mieux. Est-ce que vous les entendez mieux? Tempo, fais-nous un discours sur la sobriété aquatique en Aspésie. Je suis totalement d'accord avec ça. Un bon poisson spin, honnêtement, je suis de toi, c'est sympa. Parfait, c'est sûr que ça n'existe pas l'Aspésie, hein. J'ai dit en Aspésie, mais bon. Ok, c'est bon. Donc, yo. Alors, je sais pas si vous me confirmez que le son est bon, mais si vous me le confirmez, on va y aller. Alors... comment ça va fonctionner? C'est facile, c'est des questions générales, hein, bien sûr. Donc, ça devrait aller chercher chacun d'entre vous, indépendamment de vos connaissances approfondies. Le premier qui buzz, OK, doit attendre que je nomme son nom. Donc ça, c'est important pour que ça soit pas trop cacophonique, parce qu'on n'a pas de buzzer, On travaille là-dessus. Ensuite, vous répondez, donc je vous donne votre nom, mettons, puis... Après ça, je prends la première réponse que je vais entendre de l'équipe qui a buzzé. Parce que si jamais Aya, il buzz, puis Claise, il dit « Ah! » Ben, c'est Claise, malheureusement ou heureusement, ça va dépendre. Mais en tout cas, on va voir. Je vais juger, je vais peut-être être un peu méchant, parce que c'est sérieux. C'est très sérieux, ce quiz-là. Donc, c'est les bleus contre les rouges, puis c'est la première édition. Il va y en avoir d'autres, j'espère. Mais là, on va écouter votre buzzer, parce que ça prend un buzzer. Donc, on va y aller avec... Ouais, c'est fait de game. C'est ça que j'ai fait. J'ai monté l'audio du desktop. J'ai baissé un peu mon micro à moi, donc vous devriez entendre comme faut. Est-ce que Claise... Claise, il voit. Aya, ton buzzer, s'il te plaît. Yo. OK, parfait. Ça, c'est bon. On les entend à double, ben c'est sûr, forcément. Ok, ben on va y aller avec mon speaker à moi, pis that's it, that's all. Pour ce fois-là, je sais que vous allez les entendre. Claise, vas-y! Whip! Oh, ça va être un whip! Ok, parfait. Donc, yeah, pis whip, c'est les rouges. Tempo, ton buzzer? Zbub. Zbub, tout simplement? Zbub. Ok, ouais, Goosey. Chii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 i
Maxtoz qui donne une boulette, merci beaucoup, Maxtoz. Je voulais dire, oui, pourquoi on joue? On joue pour une cause. Donc, vous allez... moi, je vais donner 50$ à l'équipe gagnante. L'équipe gagnante, c'est pas à vous autres, ça va aller à une cause que vous avez choisie. Donc, les Bleus, vous avez choisi quelle cause? Sainte-Justine. Donc, l'hôpital Sainte-Justine, les Bleus, pas tout en même temps. Et les Rouges, j'ai choisi quelle cause? Enfant-Soleil, mesdames, messieurs. Donc, si les Rouges gagnent 50$, ça va à Enfant-Soleil, plus vos dons à vous pendant la prochaine heure. Donc, si vous faites un don, que là, je viens d'avoir une boulette, ça s'en va à la cause également. Donc, et à la fin de mon live, je vais dire merci à tout le monde. Puis, je vais faire le don avec vous. Puis, that's all. Donc, on est rendu à 51$ pour la cause de votre choix, mesdames, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Yeah! Bon, ben c'est excellent! Alors, qui vient de parler? C'est Elvis Gratton. Malheureusement, vous êtes pas réveillé là. Alors, on commence. On y va, attends, on va y aller avec une catégorie inconnue de... Donc, vous faites juste le buzzer, OK? Puis là, vous attendez que je nomme votre nom. Catégorie Fortnite. Ben ouais, Fortnite, c'est parti, mes amis. Qui sont les développeurs du jeu? Chiche! Alors, Goozy. C'est Epic Games. Epic Games, c'est une bonne réponse. 2 points voilà. Pour vous autres, voilà. Ça commence. Le boss. Let's go. Ah oui, c'est celle-là ici. Et voilà. Ah, non, je cherchais Epic Games, qui sont les développeurs du jeu. Donc, voilà, c'est correct. Donc, question numéro 2. Attention, quel matériau est imaginaire? Pierre, métal... Oui, Claes. C'est-tu Claes? Qui a Pierre, dit? Pierre, brique, métal. Alors, quel matériau est imaginaire? Pierre, métal, ciment ou bois? Yo. Droit de réplique, c'est droit de réplique aux bleus. Les bleus, vous avez 5 secondes. C'est le ciment. Alors, tempo? Ouais, c'est le ciment. Le ciment, c'est une bonne réponse. Ouais, bravo! Boum! Vas-y, attendre le ciment. Putain, il faut qu'elle ait le Alors, c'est... Par contre, on attend les choix de réponse. Genre, on répond pas avant qu'elle finisse. Ah non, si tu réponds, c'est tant pis. Regarde, tu vois, ça a joué contre eux, puis pour vous. Donc, voilà, ben, c'est ça. Ha! Donc, vous avez... donc, c'est 4 à 0. C'est 2 points par bonne réponse. Let's go! Quel est le nom de l'usine de toilettes? Yo! Aya! Flash Factory! On a dit... Flash Factory! Droit de réplique au bleu! Flash Factory! Alors. Tu n'as malheureusement. Non. Tu n'as malheureusement pas attendu que je dise Goozy, alors c'est refusé. Droit de réplique au rouge! Flash Factory? Ah non. Malheureusement, t'as pas attendu que je dise ton nom. De toilette? L'animateur est bogué, mesdames, messieurs, alors il n'y a pas de point pour cela, OK? On va dire qu'il n'y a pas de point. Non. Aïe, le point est facile. Alors, oublie pas votre buzzer. Donc, réplique au bleu, on buzz, puis là, vous répondez. On va dire ça comme ça. OK, attention, je vous donne une autre chance. Oh! Tu aimes pas qu'il donne 5 boulettes pour la cause! On l'applaudit! Mais comme je suis gentil, attention, c'est parti. Quel est le nom de l'usine de toilettes? Chez Goozy. C'est Flush Factory. C'est une bonne réponse. Voilà, Dumbo, c'est de l'eau. Attention, que fait la bombe Boogie Woogie? Chez Goozy. Elle fait danser durant 5 secondes. Elle fait... Que tu te fasses tirer dessus. Elle fait danser, c'est une bonne réponse! C'est de l'eau! Attention! Il reste juste une question dans cette catégorie-là. Réconciliez-vous les rouges, après ça, ça va être votre tour. Où se trouve, ok, nomme-moi la région dans Fortnite, là. Où se trouve le labyrinthe? Web! Oh, Web, c'est qui ça, Web, déjà? Web, ah oui, c'est toi, Claes, vas-y. Il y avait un labyrinthe qui se trouvait à Willingwood. Willingwood, c'est une bonne réponse! Et merci beaucoup à Luna. Luna qui rajoute 2$, 1$, excuse, parce que vous avez eu 2 points, c'est ça. Alors, Luna qui rajoute 1$ à la cause, merci beaucoup. Alors,
On y va avec la catégorie gentilé. Là, on s'est réchauffé un peu. Vous êtes correct? On y va? On est là, on est là. Let's go. On va remonter, on va remonter. Let's go. Catégorie gentilé. Gentilé. Si vous dites c'est quoi ça, c'est parce que c'est ça. Alors, je vais vous dire c'est quoi. Rimouski. Quel est le gentilé de Rimouski? C'est des Rimousquois. Vous avez compris? Donc, le gentilé. Le nom des habitants. Le nom des habitants. OK, OK, OK. Le gentilé. Attention, quel est le gentilé de Boisbriand? Yo, 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 yo. Aya. Des Boisbriands. Réplique au bleu. Chiche. Gouzi. Des Boisbriandais. Bonne réponse! Ah, non, non, non. Attention, attention, attention. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Découragez-vous pas, ça va bien. Quel est le gentilé des habitants de la Tuque? J'espère que Claise n'est pas en train de chercher sur Google parce que là, tu aurais une pénalité. Là. Non, ouais, c'est ça. Je veux voir vos mains. Je veux voir vos mains. On est mis tabarouettes. Vous pouvez essayer quelque chose. La tuque. Mais c'est intemporel. Ouais, regardez dans le chat. Aidez-les dans le chat, s'il vous plaît. Vous pouvez les aider, si vous voulez. Ben, c'est Bob. Oui, tempo. Les tuquois. Les quoi? Les tuquois. Les tuquois. Mauvaise réponse. Alors, réplique au rouge. Vous avez 5 secondes. Ouais. Claise. Les tuquins. Alors, non. Alors, tout le monde. Gouzi. Les latuquois. Bonne réponse! C'est long! C'est les latuquois. Tabarouette. Attends, il est allé me chercher ça où, là? Wow, non, j'ai vu ses mains tout le long. J'ai vu combien de mains sont de mains depuis tantôt. Il y a juste toi, Claise, à date, j'ai vu des mains taper sur quelque chose, mais voilà, bon, on va... Voilà, maintenant. T'as eu la... Non, t'as eu la mauvaise réponse, anyway, fait que ça prouve que c'est correct. Alors, les ticoyens non plus, ça spin biloute dans mon chat. Alors, attention, il en reste trois. Trois rivières. Chiche! Gouzi. Les trifluviens. Les trifluviens, ah, mesdames, messieurs! Waouh! Wow. Il est fort. Attention, les habitants de. La journée longue, c'est livre des livres. Soit, là. Ça arrive déjà mon 15! Je vois bien le petit tweet qui s'en vient, Claise! Attention! J'ai pas dit un mot, c'est l'autre qui a parlé tout le long. J'ai pas dit un calice de mots, là. Les habitants de Alma. Oh, Alma. Chiche. Alors, Gouzi. Les Almiens. Réplique au rouge, vous avez 5 secondes, sinon on retourne à tout le monde. Ouais. Oui, Glaze. Je vais essayer les Almaciens. Malheureusement, donc, chiche, tout le monde, Gouzi. Oh. Ah, Gouzi, il a dit, il a buzzé. Les Almaniens. Les rouges répliquent 5 secondes. Yo. Alia Blast. Les Almois. Tout le monde. Tempo. Les Genois. Les quoi? Les Genois. Et non, la réponse était les Almatois. Oh. Les Almatois. Oh, c'est quoi ces noms-là aussi? Je veux bien qu'il y ait attention, le dernier vaut 5 points. 5 points. Donc, ça pourrait bien aider les bleus. vous l'aurez pas, mais bon, on ne sait jamais. Les habitants de Saint-Louis du Haha. Yo. Oh, Aya. Les Haha. Réplique au bleu. Saint-Louis du Haha. Les bleus. Alors, Gouzi. Les Saint-Louisiens. Oh, on était proche. Tout le monde. What? Claise! Les Saint-Louisiens. Non, réplique au bleu. Réplique au bleu. Chiche! Oui, Gouzi. Les Saint-Louisois. Ah, tout le monde, dernière chance. Saint-Louis du Aha! Chiche! Gouzi. Les Louisiens. Bonne réponse! C'était les Louisiens.
chat là, je sais pas si on a le droit de regarder le chat ou non là. J'ai pas mon chat. Il y a pas son chat, mais vous avez le droit, vous autres aussi les rouges, de regarder. Là. Vous avez le droit de regarder puis de juger si vous prenez leur réponse ou non. Mais c'est vrai qu'il y en a qui doivent avoir la gâchette facile sur Google. Mais on va changer de catégorie, c'est correct. On s'en va à 3 points au lieu de 2, histoire que les rouges essayent de... Je suis un peu surpris du score, j'avoue. Ben moi aussi, je te mentirais pas. Aïe, il perdait son gars. On est rendu au titre d'une... Le titre d'une série, un petit bonus, là, le titre d'une série québécoise qui s'intitule Le Score en ce moment. Chiche! Gouzi! La série policier 19-2. C'est une bonne réponse! C'était le score 19-2, 22-2. Voilà. Attention aux 3 points. Je me demande, ont-tu des vies? C'est quoi qu'ils font de la soirée? Alors, parce que vous avez juste une bonne réponse, fait que je cherchais quelque chose qui finissait par 2. OK, bon. On y va. 3 points, catégorie mathématiques. OK, let's go. C'est... Mathématiques. Come on. Il y a juste 2 questions. Attention, première question. 32 x 12. 184. 184, mais de toute façon, t'as pas buzzé. Bob, c'est 300. Bob, c'est quoi, c'est tempo? Ouais. Tempo. Moi, je dirais un 384. Ah, si je suis con. Bonne réponse, 384. C'est de l'eau. Hey. OK, attention, deuxième question mathématique. Aya Blast fait un don de 5$ à tempo durant un an, chaque date tombant le 31. Combien a-t-il donné en un an? Chiche! Gouzi! 60! Réplique! Au rouge, j'avais 5 secondes. Je peux répéter une autre fois la question, s'il vous plaît, M. Lambert? Après la réplique. Alors, essayez quelque chose! Essayez quelque chose! J'ai même pas entendu la question! Moi, je vais y aller, mon sage-poux, moi. Aya! Je vais y aller avec 55. Alors, je répète la question. Oh non! Tempo, vas-y! 30. Mauvaise réponse. Aya Blast fait un don de 5$ à tempo durant un an, chaque date tombant le 31. Combien a-t-il donné en un an? Alors, Aya. 50. Mon Dieu, vous avez de la misère. Réplique, alors, Gouzi. 35. Bonne réponse! Alors, les mois qui ont un 31, c'est janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre. Hey, le fameux... C'est ça, c'est un sur deux. Mais il n'y en a pas 6 parce que février va être toujours. C'est ça. Non. Les dates... T'en as 6, t'as 6. Les dates qui tombent le 31, les dates qui tombent le 31, les dates qui tombent le 31. 31 janvier, 31 février, ça n'existe pas. 31 mars, 31 avril, ça n'existe pas, etc. Il y en a 7 comme ça. 7 x 5, 35. Let's go. Et on fait dire dans le chat, les rouges calissent Hawaïens. On s'en va en histoire pour 2 questions. Il y a juste 2 questions en histoire. Attention. En histoire. On est rendu à 3 points toujours. Ça, c'est une petite pogne, mais il faut que tu me dises à peu près. Mais à peu près, quand même, à 2 années près. OK? On va y aller à 2 années près. En quelle année Jésus-Christ est-il né? Yo. Aya Blast. Ben, Mauvaise réponse. Réplique au bleu. Je sais quoi? Alors, tempo. En l'an 1. Mauvaise réponse, tout le monde. Ouais. Alors, Claise. Il est né en moins 7. En moins 7, j'avais dit 2. Oh my god, je le donne. Non. Il est né entre moins 4 et moins 6. Donc, moins 7, j'avais dit 2 ans après. C'est une bonne réponse pour Claise. Donc, bravo. Hey, on les applaudit, tabarouette. Mais là, par contre, tu modifies tes règles. Tu dis 2, il a dit 7. Oui, pas dit, bon. J'ai dit 2 ans. Vous avez le droit à 2 ans d'écart, c'est ça que j'ai dit? Il a dit moins 6. Il a dit moins 7. Et la réponse est entre moins 4 et moins 6. My bad, c'est bon. Donc, voilà, parce que... Non, les scientifiques ne savent pas si c'était à moins 4, moins 5, moins 6. Mais je sais qu'il est mort. C'est ça, on s'en fout. Rendu là, on continue. Là, c'est la question de base. La question de base d'histoire qu'on apprend en maternelle, quasiment, là. Même avant, OK? On a appris ça en maternelle? Je pense. On a attaché mes souliers, là. Je sais pas si c'était allé. Fait que là, j'ai honte si vous l'avez pas. Qui a découvert le Canada? Aya. Non, Le Canada. Aya. Le Canada. Réplique au bleu. Non. Alors, Gouzi. Christophe Colomb. Ben voyons, t'as répondu la même affaire qu'Aya Blast. Voyons. Ouais. Tout le monde. Ouais. Alors, Claise. Hein?
Alors que là, il se dit « Ouais, ouais, ouais! » Et il y a un blanc de mémoire. Je l'ai, réplique au bleu, réplique au bleu! Hey, ça va pas bien, ça va pas bien, là. Gouzi. Jacques Cartier. Bonne réponse! L'arbitre, je dis Jean Cartier, il dit chiche en même temps, on m'annule ma réponse. Je dis ça, je dis rien là. Trop tard, je suis désolé, trop tard. C'était trop long. À ton tour, tu devais le dire. T'as dit oui, parce que t'as attendu genre pas longtemps. Non, je veux un vote du chat. Moi, je veux un vote du chat. Je m'en fous, je veux un vote du chat. C'est le chat qui décide. Est-ce que je vote pour moi, j'en viens à cette personne. Vu que t'as essayé, je vais te donner la moitié des points. Donc 6.5, c'est bon? Alors je vais te donner des 2 points, c'est 7. Je t'ai donné le 2/3, sinon on va aller regarder la reprise. Attention, si on regarde la reprise puis tu l'as pas, ça peut te coûter 10 points. Ah non, ok, on change ça. Là, on s'en va en catégorie générale. Il veut vraiment faire son... Qui a fait le sondage, là, que je le banne? Goozy, Clays, en tout cas, on continue. Le chat l'a dit. Catégorie générale, attention, ça va aller vite. Et là, on est rendu à 5 points, 5 fucking points, 5. Tout est possible, il y a 5 questions, 5 points, 25 points que vous pouvez faire. Choix de réponse, je vous donne les choix de réponse. Après, je pose la question. Canard, chien, cheval, chat. Quelle race d'animal est un brillard? Yo. Aya. Le canard. Réplique au bleu. Chiche. Goozy. Le chat. Tout le monde. Ouais. Clays. Clays. Un chien. Bonne réponse. Let's go. On est là. Attention, vous devez me donner la définition du mot suivant. À peu près. Procrastiner. Yo. Aya. C'est pas vouloir faire quelque chose, en mettre à plus tard. Bonne réponse! Let's go! Let's fucking go! Attention! Let's go! Avec la laine, de quel animal fait-on du cachemire? What? Clays. J'irais le mouton. Réplique au bleu, quel animal on fait du cachemire? Tempo, non? Oui, Goozy. Un ours. Tout le monde peut répondre maintenant. Ce n'est pas un ours. Yo. Voyons, je vais mélanger ailleurs. Alpaga. Quoi? Alpaga. Ah, peut-être, mais c'est pas la réponse que je cherche. Alors, tempo. Moi, j'ai une chèvre. Bonne réponse! Oh! Avec la chat, encore une fois. Ben là. Attention, on s'en va en musique. Aya, elle devrait être facile pour toi, celle-là. Quel est l'album le plus vendu de Pink Floyd? Oh. Ok, je vais donner un indice. Vous allez pouvoir compléter, attention. The Dark Side. 1-1-1. Chiche. Alors, Goozy. The Dark Side of the Moon. Bonne réponse! Oui! Wow! The Dark Side of the Moon. Attention, le prochain, c'est la dernière question dans cette catégorie-là, puis on a fini la première partie. Ah non, on n'a pas fini encore, mais on n'est pas loin. Épelle, le mot suivant, au pluriel, attention, passe-partout. Oui. Alors, Clays. Au pluriel, on est d'accord, parfait. Au pluriel, c'est passe-partout. On l'appelle P-A-S-S-E-P-A-R-T-O-U-T-S. Réplique. Chiche. Alors, Goozy. C'est un mot invariable, ça reste pareil. Bonne réponse! Ouais. Mais... Ah, mais j'ai un mail, l'arbitre vient de me... À l'oreille, on vient de me dire qu'il faut que tu l'épelles pareil. Ben le P-A-S-S-E, d'union, P-A-R-T-O-U-T. Oh, fiu, tu l'as eu, bravo! À vous, t'as eu peur. Attention, l'autre, ça va être un vrai ou faux. Cowboy, s'écrit avec un trait d'union. Chiche, yo. Goozy. Faux. Réplique. Yo. Aya. C'est vrai. Bonne réponse. Eh oui, je l'avais pas, mais je conteste. Si tu l'avais pas, on aurait eu un petit problème. Attention, la prochaine. On est rendu à la deuxième partie de notre super quiz qui est devine la toune. Devine la toune. Donc, vous allez entendre un extrait. Puis, hein? La fin de l'extrait. Et tu dois répondre tout simplement, qu'est-ce que c'est? Je veux le titre
et l'interprète. Je veux les deux. Fait que si tu fais buzz puis tu me dis juste un ou l'autre, c'est pas bon. Il y en a juste quatre et ça vaut toujours 5 points chaque. Donc 4 fois 5, ça fait 20. OK, c'était pas une question. Le bon, Trempa, il nous fait des petits cours en même temps. C'est parfait. Attention, ça on est fixe. Quiz, c'est parti. Écoutez bien comme faut parce que je vais la saccader. Non? Un peu plus long? On a entendu point une seconde. Non, c'est ça, exactement. Un tiers de seconde. Maintenant, on va le mettre une demi-seconde. Ah! Allô? Claise! C'est YMCA de... Ah, oh, si, j'ai pas le... Réplique aux bleus! Les bleus? Oh, le nom de l'artiste! Je sais, chiche! Oh. Alors, Gozi. C'est YMCA, mais le nom de l'artiste, j'ai aucune idée. Alors... J'ai dit tout! Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est qui? Attends, c'était... Je vous laisse danser. Danser, là, ça va vous donner des points. La meilleure danse, un point bonus au meilleur danseur. Hey, ça danse pas fort, là. Let's go. Faut danser, là. OK. Chiche. Alors, Gozi. YMCA, c'est Village People. Village People. Ça se pourrait-tu que t'aies eu un petit peu d'aide dans le chat? Totalement. Et c'est une bonne réponse! On applaudit! En fait, c'est mon chien, il me l'a dit. Ton chien te l'a dit? Je suis en train de danser. Attention à la prochaine. On se calme. Ça va bien aller. On veut le titre et l'interprète. Attention, c'est parti. Bon, on va le mettre un peu plus long. Oh! Chiche! Gozi. Umbrella de Rihanna. Oh, si jamais. C'est une bonne réponse! Tabarouette, t'es fort. Je dis ça comme ça. Il y aura pas de... Ah ben mon Claise qui se sert de ses atouts de... Parfait, c'est correct. C'est de bonne guerre. Mais Gozi aussi est modérateur, il pourrait l'enlever. Mais bon, non, je vais laisser on laisse ça comme ça, parfait. Je dis ça comme ça, mais c'est fucking 56 à 22. Donc, on continue. Donc, le prochain, je m'en analyse la réponse. Attention, mesdames, messieurs, c'est parti. Bon, c'est un peu trop court, hein? Oh, titre et interprète. Claise. Tu sais slide de Drake. Non, c'est pas tout ça. C'est une mauvaise réponse. On continue. C'est Chris, je connais pas le titre, mais chiche. Qui a dit chiche? Moi. Non, c'est pas le nom, c'est pas. Gozi. C'est Kiki Do You Love Me de Drake. Attends, ça c'est le titre. Je sais pas si c'est ce n'est pas le titre qu'on. Ce n'est pas le titre qu'on recherche. Alors, on réessaye encore. Mais c'est Drake, mais le titre, quoi? Quoi? Ouais, je vais essayer quelque chose. Claise! C'était juste Kiki de Drake? Non, malheureusement, c'était In My Feeling de Drake. Ah, c'est correct. Mais au début, je pensais que c'était tout ça, mais après, ouais, c'est ça, Kiki, You Love Me, c'est ça la réplique, mais le titre, non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Le dernier, tout le monde devrait connaître ça. Je veux le titre seulement. Ben non, le titre est l'interprète, mais de toute façon, vous allez dire l'interprète, c'est sûr. Attention, c'est parti. Ça vous dit rien? Oh, Aya, ça devrait peut-être te dire quelque chose. Ça rappelle ton enfance, non? Mais attends, répète ça. Os. Chiche! Oh! Chiche! Gozi!
Je me brosse les dents de passe-partout, non, passe-partout. C'est une bonne réponse! Oui! Ah, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, Bon, c'est bon. J'ai pas essayé passe-partout dans ma vie. Après cette deuxième partie, mesdames, messieurs, c'est 61 à 22 pour les Bleus. Let's go! Alors, on va vous forcer un petit peu. Alors, on est rendu dans la catégorie charivari, mesdames, messieurs. Vous allez voir un mot tout simplement dans l'écran et vous replacez les lettres en ordre. C'est assez facile? Dans l'écran. Dans l'écran, mais dans mon écran. En haut de moi, ici. Est-ce que vous voyez mon écran, vous? Ouais, ouais. Là, ouais, juste en haut, ça spin. Faut allumer ton stream. Hein? Ouais. Faut allumer ton stream, non? Ouais, ouais, allumer son stream. Est-ce que vous voyez tout? Parce que je vais être sûr que vous le voyez, non? Ah, ben moi, j'ai une connexion très loin, fait qu'il va sûrement avoir en dernier. Ouais, c'est sûr. Rimouski, maman, mais t'es encore un peu que le Saguenay. Tu peux dire les lettres aussi, là, pour Claise, mettons, tu sais, vu que... Non, mais je vais voir, je vais voir. Ah, Carrie. Let's go, je suis prêt. Ouais, moi aussi je suis prête, mais pas mon jeu. Ce sera pas long. Je vais mettre ça en haut. Attention, le mot numéro 1, c'est parti. Je le vois pas là. Ça s'en vient. Vous allez peut-être le voir avec le petit délai. Oui! Claise! Je le vois même pas, ça va. Réplique au bleu! Ah si, je pensais que c'était ça. Oh non! Il a l'air de quoi? Alors, tout le monde maintenant. Replacer les lettres en ordre, ça forme quelque chose. J'aurais dit... Tempo, non? T'as pas d'idée? Goosey, non? Tout le monde dit aéroport, mais c'est pas... J'allais dire aéroport, mais il y a un fucking M, fait que c'est pas aéroport. Et? Alors, je vous laisse travailler un peu, là. Attends, laisse-nous le temps, là. On va... Laisse-nous le temps, là. Alors? Oh! Tempo. Tempo, il a bégayé, mais il est avant. Je sais pas, comme dit genre web 20 000 fois, genre. Ouais, 20 000 fois. Tempo, ta réponse. Temporal. Bonne réponse. Ah, c'est temporal pour vrai, je suis genre. C'était tempo, temporal. C'est pour ça que j'ai dit, en plus, j'ai dit, tempo, as-tu une idée? Attention, le prochain mot. Je le vois pas, moi, mais. Tu le vois pas? Non, ouais, je le vois là. C'est ça, il y a un petit délai. Un petit délai délicieux. Alors, catégorie... emploi et passe-temps en même temps, je te dirais. Emploi et passe-temps. C'est anglicisé. Vous en êtes tous. Oui! Claise. Streamer. Streamer, c'est une bonne réponse. Tout simplement. Attention pour le prochain. Les deux R qui m'ont aidé. C'est juste qu'il l'a dit. C'est parti. Attends, on va pas. J'ai bien aimé la face d'Aya. C'est-tu un mot ou il y a plus qu'un mot là-dedans? C'est un mot. Ah non! Allô? Allô, c'est quoi ça? Un petit mot. Tempo. J'ai besoin de mettre ça spin dans le bord. C'est une bonne réponse! Ah ouais, j'aime vous. Wow. J'ai vu les lettres, j'ai bégayé même. Attention, l'avant-dernier mot, c'est parti. Attention. Qui? Goosey. Présomptueux. C'est une bonne réponse! Ça, c'est un petit insight qu'il faut comprendre vite fait. Bah, non, c'est un mot comme les autres. Présomptueux, oui. Alors, ben bravo. Et le dernier mot, attention. Ah, yo. Aya. Twitch, c'est une bonne réponse. Mais oui. Très fort. Le C-H-I-T-T-W, je vais trouver. Ah ouais, c'est ça, moi aussi. Attends, ben là... Quelque chose comme ça, je suis comme, qu'est-ce qu'il me fait? Je suis fier de vous autres, gang. J'ai toujours passé au travers de mon truc. On est rendu à la dernière partie de mon quiz. Mais justement, on aura des points bonus. Défi encore, Tempo, on a-tu un peu de défi en bas?
Alors là, c'est le bout que je veux donner un petit coup de pouce au perdant jusqu'à date, parce que c'est pas terminé. Donc une question bonus qui va valoir 20 points si vous répondez comme faux. Mais si vous répondez pas comme faux, les bleus vont pouvoir répondre puis ils vont l'avoir automatiquement, je suis sûr, parce que c'est quasiment un vrai ou faux. Quasiment, c'est pas ça, mais c'est quasiment, mais je vous donne la priorité, les rouges, attention. Vous avez pas besoin de buzzer, vous faites juste dire le plus rapidement possible la réponse. Êtes-vous prêts? On va se calmer l'arrière de ta question. Alors, les bleus, vous avez compris que vous parlez pas pour tout ça. Alors, attention, les rouges, question mathématique. 1099 plus 1. Ouais. Alors, Claise? 1100, tu me l'as déjà fait. Je suis pas gros pas deux fois. Ben bravo, c'est une bonne réponse! La plupart du monde, quand tu dis 1099 plus 1, le monde répond 2000. Ça, je te dis, testez-le, 8 personnes sur 10 vont dire 2000. Je vous le garantis. On a remonté à... C'est quand même 76 à 52. Alors maintenant, encore question bonus avant de partir à mon dernier jeu. Je vais lire une joke plate. Et le premier qui rit donne 5 points à l'autre équipe. Alors, il faut m'écouter. Il faut m'écouter, là. Mais je veux voir vos mains, là. Vous mutez pas. Regardez la caméra bien comme il faut. Voici la joke. Si vous riez, vous donnez 5 points à l'autre équipe. Attention, c'est parti. Delta a trop fumé. Delta plane. Claise, il y a un petit sourire en coin, là. Ok, je vais en lire un autre. Qui est l'artiste la plus lumineuse? La chanteuse Adèle. Oh, Claise, oh, Seigneur. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Claise rit, ouais, mais il n'est pas ouvert la bouche. Il n'est pas fait. Ok, on va monter à 10 points. Vu que personne n'a gagné. 10 points, attention. L'autre jour, je me promenais en char puis j'ai frappé un porc. Les assurances ont jamais voulu payer. Ils m'ont dit qu'il fallait une assurance à porc. Elle était plate à souhait, celle-là. Elle stick était plate. Attention, que dit le pape quand il a les bras levés dans les airs? Ôtez-vous dessus mon gazon! Ok, parfait. Non, écoute, vous êtes fort. Esti, vous êtes fort. Alors, c'était les jokes de papa, c'est pas moi qui les ai faites. Alors, aïe, il vient de rire. Aïe, il vient de rire. Non, c'est une joke, Ok, donc, joke de papa, c'est bon. C'est ça qu'ils ont. Attention, le dernier jeu. On va faire une suite logique. Et là, je peux être méchant. On va commencer tempo à gauche. Aïe, Guzzi, Claise, tempo, aya, Guzzi, Claise, etc. Et là, vous allez comprendre mon jeu. Vous allez, là, je vais m'ouvrir un petit fichier ici. Je vais dire un mot et la personne suivante doit dire un mot qui a un lien quelconque avec. Exemple, si je dis chien, tu dis chat. Ok, le lien, c'est un animal. Si tu dis chat, l'autre, il pourrait dire chat. Bon, là, ça va dériver, là, on va faire attention. Chat pourrait dire poil. Poil pourrait dire autre chose, etc. Mais c'est moi qui juge si c'est bon ou si c'est pas bon. Et s'il y a un seul mot que vous répétez, aussitôt qu'il y a un mot que vous répétez, lose. Vous avez perdu, vous êtes éliminé. Puis, voilà. Tu dis poil, tu dois dire poil de, mettons, poil un de mot. Ok. Okay. Peux-tu faire genre un adjectif, mais non, tu dis poil, moi je réponds poilu. Ben alors, c'est pas le même mot. Ben oui, ça marche. Ben non, ça marche. C'est pas le même mot. C'est pas le même mot poil. Si tu dis poil, poilu, ouais, c'est bon. C'est bon, ben je me souviens, ouais, je viens de checker le règlement, puis ouais, c'est bon. Alors, on joue pour 25 points. Donc, pour le jeu final, bonne chance. 25, 52, ouais, ça serait pas pire, ça serait pas pire partout. Bonne chance, c'est parti. Alors, tempo, je te donne mon premier mot qui est... Il faut pas répéter, hein, oubliez pas. Moi, j'ai noté tous les mots, là. Faut pas répéter le même mot. Pomme, tout simplement. Fruit. Alors, fruit, faudra le dire un peu plus fort. Alors, on continue avec Aya, avec fruit. Banane. Banane.
Oh, banane, c'est bon. Alors, Gouzi. Orange. Orange. Claise. Poire. Une poire. On va-tu nommer tous les fruits? Tempo, vous pouvez dériver, là. Hein? Jaune. Jaune. C'est bon, je le prends. Aya, jaune. Quelque chose de jaune. Un autobus. Un autobus. Gouzi. École. Oh, autobus, école. C'est bon. Je m'excuse, j'essaie d'aller vite, là. Claise. Élève. Un élève. Tempo. Pupitre. Aya. Bois. Bois? Ouais. Gouzi. Forêt. Claise. Arbre. Oui, tempo. Végétation. Végétation. Aya. Vert. La couleur vert? Ouais. C'est bon. Gouzi. Gazon. Gazon. Claise. Dire trop long. C'est, je sais pas. C'est trop long, mais je vais te laisser une chance parce que j'ai pas dit qu'il y avait un temps. Donc, tu réponds pas, mais je t'élimine pas. Tempo. Gazon. Cours arrière. Un mot seulement. Alors, j'ai dit, il faut juste nommer un mot. Je te laisse aussi ta chance. Donc, les deux équipes ont eu une chance. Là, là, je vais être impénétrable. On parle de cours ou on parle de gazon? Gazon. Aya. Tondeuse. Tondeuse. Gouzi. Weed eater. On reste en français, s'il vous plaît. Je te laisse ta chance parce qu'on ne l'a pas dit non plus. Claise. Tondeuse. Tondeuse, je veux dire gaz. Tempo. Station essence. Tempo, t'es éliminé malheureusement. T'as dit deux mots. Station essence. Aya, gaz. Station d'essence, c'est bon, c'est ça. C'est ça. C'est station d'essence, c'est considéré comme un mot, tu penses? C'est un mot, station d'essence. Station d'essence, c'est bon. Ça fait trois mots, non? Station d'essence, c'est moi, tu penses? Non. Station d'essence. Ah, l'arbitre me dit deux mots, malheureusement, c'est refusé. Donc, dépanneur, c'est toi qui as dit ça, Aya? Yes. Alors, Gouzi, dépanneur. Bonbon. Comment? Bonbon. Des bonbons. Des condoms, des bonbons. Des bonbons. Des bonbons, c'est bon. Glaze. Des friandises. Ah ben oui, un dérivé, c'est beau. Aya. Sucre. Sucre. Gouzi. Carie. Glaze. Des dents. Aya. Dentiste. Je suis mélangé. Gouzi. Brosse à dents. Brosse à dents, c'est trois mots. C'est trois mots, brosse à dents, là. Brosse, une brosse. Brosse à dents. C'est un mot composé, ça fait un mot. Brosse à dents, c'est trois mots, on l'a dit. Alors, les gagnants, c'est chien, mais c'est légal. 77 à 76 pour les rouges. Oh, on remonte! Maintenant... On va terminer avec un petit bonus. Tempo et Gouzi reviennent dans la partie. Inquiétez-vous pas. Soyez pas tristes. Ce que je comprends pas, c'est que le brosse à dents, je suis sûr que c'est un mot composé. Alors, ben oui, je sais, ça se peut. Mais l'arbitre, j'ai un arbitre en arrière de moi là, que vous voyez pas, là, qui me dit non. Là. Donc, il est bien sévère. Fait que vous lui casserez la gueule, je donnerai ses coordonnées tout de suite après. Mais c'est pas ça le point. Là, maintenant, vous avez dit les mots. Vous êtes content. Vous avez deux points bonus à partir de maintenant. Je vais commencer par les bleus. Après ça, je vais aller au rouge. Bleu, rouge, bleu, rouge. Et vous devez me redire un des mots que vous avez dit. Donc, il y a à peu près une vingtaine de mots. Bonne chance, les bleus. On a-tu le droit de remettre les mots composés qu'on a dit? Non. Les bonnes réponses. OK, je recommence. Vous avez dit des mots, OK, tantôt? On va essayer de revoir. C'est un jeu de mémoire, OK? Donc, quel mot qu'on a dit qui était valide? Alors, les bleus, pour deux points. Donne-moi un mot entre tous les mots qu'on a dit. Tempo, moi. Non, les bleus. Donc, Gouzi ou Tempo, n'importe qui. OK, ben je vais aller Gazon, on l'avait dit. C'est une bonne réponse. Alors, vous avez deux points. Là, ça va jouer là-dessus, là. Ça va jouer là-dessus, les rouges.
Alors, Pomme, on l'a dit, effectivement, c'était mon premier mot. Alors, bravo. On retourne au bleu. Fruit. Alors, allez-vous les redire en ordre? non, là. OK, c'est bon. Fruit, c'est bon. Les rouges. Hé, hey, là, c'est chaud. C'est chaud. Calice. Alors, banane, c'est bon. Il va falloir que je change les règles de ce jeu-là, je pense. Alors, bravo. Alors, les bleus. Orange. Non, c'est sérieux, là. Alors, c'est bon, les bleus. Les rouges. On va aller plus vite. On avait dit... Ah oui, on avait dit le mot pelouse. Pelouse. Non. Malheureusement, non. On n'a pas dit... On n'a pas dit le mot pelouse. en tout cas, je le vois pas ici. Non. Alors, les bleus, réplique. Pas réplique, mais c'était vous autres. Carrie. Alors, Carrie, c'est une bonne réponse. Les rouges. Tondeuse. Tondeuse, on l'a dit, c'est une bonne réponse. Les bleus. Végétation. On l'a dit, c'est bon. Hey, vous devriez me voir, Esti, je t'en refais des X partout. Pis, alors, les rouges. Dentiste. Forêt. On a dit dentiste en premier. Alors, forêt, dentiste. C'est moi qui l'a dit. Forêt, c'est moi qui l'a dit. Hein? Car ça, moi j'ai dit forêt, moi je place de shooter arbre. Ouais, mais c'est caché de rien. Non, là, les rouges. Les rouges. C'est des mots de votre équipe? Les rouges. Non, vous dites n'importe quel mot qu'on a dit. Ah, ben là. N'importe quel. La liste des 20 quelques mots est là. Vous dites n'importe quel qu'on a dit. Et là, ben non, c'est vrai que c'était dur sinon. Et là, j'ai entendu dentiste en premier, Aya. Yep. Alors, c'est bon. Alors, les roues, les bleus. Dépanneur, c'est une bonne réponse. Voilà. Élève. Là, on regarde le chat, ça apparaît. Ah, oh, là. Donc, les rouges, élèves. Je me rappelle de ce que j'ai dit. De me rappeler de ce que j'ai dit. Les bleus. Pupitre. C'est une bonne réponse. On continue encore pendant peut-être 2-3 minutes. Alors, les rouges. Sucre, je me souviens, moi aussi, qu'on l'a dit. Yes, sir. C'est une bonne réponse. Hey, là, c'est chaud en tabarouette, là. Les bleus. Friandises, c'est une bonne réponse. Il en reste presque plus. Alors là, un instant, j'ai pas nommé les rouges. Alors là, je vais monter à 3 points, parce qu'il reste commence à manquer de mots. C'est parti, les rouges. École. On l'a déjà dit. École, c'est une bonne réponse, on l'avait pas dit encore. Non. Et là, c'est 90 à 90. Les bleus! Jaune. Hein? Jaune? Ta réponse finale? Bah, jaune. Bonne réponse! 93-90, attention, les rouges! Vert. Attends une minute, je vais juste faire un petit quelque chose. Là, c'est moi qui fais ça. Là, c'est moi, là. On ne répond plus dans le chat. Alors, les rouges, vous avez dit quoi? Les rouges? J'ai dit vert. C'est une bonne réponse. Attention. Les bleus. Poire. Une poire. Tu t'en rappelles ou tu l'as vu? Non, je m'en rappelle que... C'est une bonne réponse. Non, mais ça n'aura pas été une mauvaise réponse. Pas grave. Les rouges. Bois. Oh, attends, j'ai pas compris. Clays? Bois. On a dit le mot bois après le mot pupitre, je me rappelle. C'est une bonne réponse. 96 à 96. Attention, les bleus. Bonbon. Eh oui, on l'avait pas dit. Alors, 99 à 96. Les rouges. Autobus. Bonne réponse! Wow! Hey, vous êtes fort. Les bleus! Végétation. Quand il l'a dit. Végétation. Oh! Malheureusement. Les rouges! Moi, je vais y aller avec essence. Je sais pas si on l'avait déjà dit. Essence. Essence, il est pas bien. Malheureusement, les deux équipes. Donc, un X chaque. Non, malheureusement, c'est terminé. J'aurais terminé avec gaz, là, mais c'est pas grave. Il restait forêt, arbre, gaz et dents. Oui.
Il en restait juste 4. GG. Oh, j'aurais dû dire gaz. GG. Normalement, c'est ce qui termine mon quiz. Mais voyons donc. 99 à 99, va falloir une question bonus. Ah là 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 là. Vous me faites travailler, vous me faites travailler. Attention, attention, attention. C'est une question qui départage. C'est une question qui va départager parce que de toute façon, on joue pour le fun. On joue pour une cause. 1099 plus 1 pour 20 points, ça. J'espère que vous avez aimé ça. Je rappelle, tu sais, qui ont été avantagés. Ça pourrait être question. Comment tu dis? Ça pourrait être la justice, tu nous fais une question à 20 points si on l'a pas, c'est eux autres, parce que tantôt tu leur as fait un 1099 plus 1. Pour 20 points, c'est free, là. Attention! Attention à la question qui va départager. Oui. Attention, la question va départager. Je vais donner les initiales d'un jeu populaire. Le premier qui buzz, qui me donne la bonne réponse, gagne. Alors, exemple, FN, ce serait a Fortnite. OK, on s'entend? Okay. Ben, c'est pas ça, là. Donc, attention, RL. Oh, what? Claze. Rocket League! C'est une bonne réponse! Wow! Alors, c'est la victoire des Rouges 100 à 99. J'espère que vous avez... Oh là 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 là! Alors, Tempo, on peut te suivre sur ta chaîne. T'as-tu ton horaire? Sais-tu à peu près? À cause de l'école, mais j'essaie de stream pas mal aux mêmes heures, les mêmes journées, c'est pas facile. Yes, sir, Gozi, toi tu stream, t'as-tu un horaire? T'as-tu fait ta pub? Let's go! Je stream chaque jour 19h30, sauf les mardis, le jeudi et le dimanche. Et on suit bien sûr vos chaînes Twitch correspondantes. Aya, est-ce que c'est quand ton prochain stream, mon cher? Mais moi, c'est ça, c'est que j'attends mon prochain PC qui devrait arriver dans pas long pour recommencer Fortnite, mais je vais peut-être faire un quick stream à soir, sinon c'est pas mal sûr. Allez, fait que là, on parle d'un PC à 8000$, là, c'est ça, hein? Il me semble que ça avait les cartes graphiques. 15 000. Ah, c'est pas pire, c'est pas vrai, 15 000. Tant que c'est en bas de 25 000, hein, puis... Ben, c'est ça, tu sais. Juste avant le prix d'un char, là, rendu là. Alors, mon cher Claze, toi, c'est quand ton prochain stream? Prochain stream demain 17h30, défi quiz avec la maman Claze. Oh, la maman Claze? Ah, ben là, ça, c'est sûr, je vais être là. OK, là, messieurs, ben merci. Est-ce que vous avez aimé ça quand même? Je veux dire, je vais m'ajuster, là, des petits... Ah, ouais, plaisir. Des... Juste la question à 20 points, peut-être, c'est un peu chien. Là. 25, 25, 25. Sinon, ça va. On s'entend que les Bleus ont extrêmement bien joué. Et je déclare les Bleus quand même gagnants à quelque part. Mais ouais, c'est 199, c'est ça le concept. Non, moi, je dirais pas les Bleus gagnants, je dirais Gouzi gagnant. Oh, pauvre Tempo, là! Pauvre Tempo! C'est ça que je trouve drôle, tu sais, parce que Tempo, il a rien fait du tout. J'avais même pas le temps de réfléchir, tu sais, comme... Ah, je suis calé. Non, mais c'était vraiment le coup. Ben, bravo à tout le monde, puis ben, je vous souhaite... Oh! Aïe, qui rajoute 5 pieds à 5 boulettes, let's go! Et votre cause, c'était... donc, les Rouges, c'était... c'était quoi déjà? Je me souviens plus. Sainte-Justine, c'était les Bleus? Les Bleus, c'était Enfant-Soleil, c'est ça. Enfant-Soleil, bon, ben, parfait. Ben, merci. Ben, si c'est tout, ça va être tout. Si c'est tout, ça va être tout. Je vais faire mon petit closing. Puis, je vais vous remercier encore une fois d'avoir été là, d'avoir participé à mon petit trip. Normalement, si tout va bien, j'en ai un autre dans 2 semaines, si les autres peuvent me répondre. Et le 9 avril, le vendredi, ça va être un vendredi, je ne donne pas de nom encore, mais ça va être un spécial dames. 4 dames. J'en ai 5 contactés, j'en ai 4 intéressés vraiment. La 5e, j'attends une réponse. Fait que ça devrait être popé aussi comme soirée. Fait que j'espère que vous allez être là. J'espère que vous avez aimé le contenu. Puis je vous souhaite, c'est ça. Je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Let's go! Oh! Stop! Merci. Ouais, ben c'est sûr. Merci, ça spin. Puis je vais contribuer avec le 50$. Oh! Avec les autres donations. Je vais faire mon petit ma part aussi. Ça sent bien. Oh yes! Un autre 5 boulettes. On est rendu à 62, 63, je crois. Quelque chose comme ça. Je vais aller faire. Donc, je fais mon closing, puis je vous reviens le live. Donc, on va aller faire le paiement. On va aller faire le paiement. Voyons, Asti, j'oublie tout le temps le nom. C'est quoi, vous autres?
Je pense tout le temps à Saint-Justine. Enfant-Soleil, OK. Enfant-Soleil, là, je le sais. Enfant-Soleil, j'étais allé en direct une fois remettre un chèque, tu sais, avec le gros chèque, là. J'étais allé remettre un chèque une fois là-bas. Mais c'était juste 1300$, mais bon, c'était le fun pareil. C'est ça. C'était spécial. Ouais, ben, c'est pas mon nom personnel, là. On est dans, c'était une collègue. Tu sais, je suis généreux, là, mais il y a des limites, là. Mélodie aimerait faire un don, mais ça marche pas. Ah non! Comment ça marche pas? Mais non. Ça se peine avant de finir. Moi, je dirais merci à Temporal, Guzzi, ben, en fait, tout le monde. J'ai trouvé vraiment ça le fun. Merci à toi d'avoir organisé ça. Ben, ça me fait plaisir. Merci au chat, guys. 83 viewers, c'est incroyable. Yes! Puis, 94. Followez-vous, man, continuez à donner du love à Saspin. Moi, je continue de vous suivre aussi. Vous êtes des excellents streamers. Vous avez toute votre belle personnalité. Puis, ben, j'ai un faible pour Aya, hein. Je l'ai toujours dit. La façon qu'il gère son chat, la façon. C'est écœurant. Je comprends même pas. Il joue Esti, puis ça défile dans sa tête. D'après moi, il y a une oreillette, Esti. Il doit avoir Mélodie dans son oreille qui dit les réponses ou qui dit quoi faire. Oh, Melo qui donne 20$. Let's go! Yes, sir! Hey, wow! C'est bien hot, Melo! Yes, sir! Je vais avoir faire le paiement tout de suite après mon closing, gang. Donc, je repars la toune une dernière fois. Merci Tempo, merci Guzzi, merci Aya, et merci Claise. Mon Dieu, ça a rentré dans une heure pile. Il est 17h. Je vais être bon, moi, je serais bon pour animer, moi. Si, je serais bon pour animer des quiz. Merci à tout le monde! Ça part! Alors restez là!